Mais boss, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous suicider, boss? Mon frère, laisse-moi. Je suis en train de prendre mes médicaments. Mais les médicaments de quoi, boss? C'est le cambendazole que je suis en train de prendre, mon frère. Mais le cambendazole, c'est encore quoi, boss? Tu ne connais pas le cambendazole? Le cambendazole, c'est le nouveau médicament qui vient de sortir. On prend ça avant et après le match des lions. Donc, quand on est supporté des lions, c'est ça qu'on consomme pour éviter l'AVC. Ok, vous prenez ça en cachette, boss. Tu voulais se goûter? Non, boss. Mais, boss, vous prenez ça pourquoi alors que les lions viennent de faire match nul? Tu dis quoi, mon frère? Les lions viennent de faire match nul? On a le Qatar de ça... match nul, mon frère. Même notre seul match où on comptait avoir 3 points. Toi-même, tu as vu l'équipe si où c'est... Yeah. C'est même quelle équipe? Ils ont eu joué, mais avec quelle équipe? La Serbie, boss. La Serbie, non, boss. Ah, le boss, il va même mourir pendant la période aussi. Hein. Attends, de toi à moi, mon frère. Aboubakar Vincent, fais quoi au banc? Tu as vu quand le type là est entré au stade, tout a changé. Même le premier match, si le type là était entré au stade, c'est les histoires que vous êtes en train de coller, de verser vos organes sur un ballon. Hein? Si Aboubakar Vincent avait joué le premier match au début avec Choupo-Moting, tu as vu le classement? On devait pas être ici. On devait pas. Onana, les 3 buts qu'on a encaissés là. Tu penses que si Onana était là, mon frère, on pouvait encaisser les 3 buts là? Donc de toi à moi, de vous, mes frères, dis-moi, on pouvait encaisser les 3 buts là. Pourquoi on nous empêche de rêver? Pourquoi on. Les problèmes chaque jour. Est-ce qu'on doit prendre les problèmes internes pour venir mettre ça devant, faire souffrir les Camerounais comme ça? C'est encore quel problème, non, boss? C'est encore quel problème? Depuis que tu lis que Onana, Onana a eu quoi, avec qui, ah, Onana a dit quoi, on invente toutes les histoires. L'autre, de côté qu'il avait bagarré, à la dernière minute, on nous dit qu'il n'a jamais bagarré. Aujourd'hui, on vient nous dire que Onana a fait ci, a fait ça. Après, on nous dit encore qu'il n'a jamais fait ça. Mais boss, on va même où? On va où? On va où vous-même? Vous n'avez pas regardé le match d'aujourd'hui dès que. Aboubakar Vincent est en close start, mon frère. Vous n'avez pas vu le beau football. Vous n'avez pas vu comment tout le monde a rêvé. On a vu, on a rêvé. On a... Si on avait encore même 10 minutes, on gagnait. Vrai, vrai. Et on est là maintenant. On va rentrer du Qatar avec un point. Donc vous avez espoir que le Brésil. Oui, boss, mais vu même la qualité du match d'aujourd'hui, on a espoir, boss. Ah, non, nous aussi, on a rêvé. On peut avoir espoir dans la mesure où dès que le match commence, je veux voir Aboubakar Vincent au stade avec Onana. C'est de ça qu'il est question. Qu'on laisse les problèmes, qu'on laisse le problème de tu aimes, tu m'as dit si tu m'as fait ça, tu, on laisse l'équipe, on laisse les enfants s'exprimer, mon frère. Je suis fatigué de t'entendre. Toujours, pourquoi chaque jour, toujours une histoire? Chaque jour, toujours une histoire. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Est-ce que tu n'as pas normal, vu boss. Comment notre père ici, l'ancien manager là, pleurait partout, Jean-Paul Lacono, que je ne suis pas allé au Qatar parce qu'on me demande le compte rendu de ceci. Mon frère, vous-même. On va bon. Évoluer toujours avec les... Pas ça, c'est même pas les problèmes. Là, c'est les sous-problèmes. Ça, c'est des sous-problèmes. Des sous-problèmes. Vous pensez que... Et je vais m'appeler ça. Je vais m'aller plus loin. Je vais appeler ça. Vous connaissez ce qu'on appelle le karma. Non, boss. C'est le karma. C'est que nous, on a fait là. C'est le karma. Donc, c'est un retour, boss. Tu penses que quoi? Qu'on part d'abord pour une Coupe du Monde, on part d'abord avec les problèmes. On commence à avoir les problèmes. Oh, tu n'as pas solutionné tes personnes. Ou tu as l'autre sort aussi derrière. Oh, les gens ont payé les 15 millions. Ou c'est vrai. Ou ce n'est pas vrai. Toujours des histoires. Et ce que j'appelle le karma, c'est que qui vient même nous faire rentrer? Notre propre frère camerounais. Parce que quelqu'un d'autre pouvait marquer le but là. Ça devait faire mal. Mais ça ne devait pas faire mal comme notre propre frère a marqué. Vraiment. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Donc, dès que Dieu lui-même passe par ton propre frère camerounais pour marquer, pour que ça te fasse bien mal. Ouais. C'est ça le karma. Et le karma sort d'où? Les sous-problèmes, les faux problèmes qu'on fait dans l'équipe nationale. Même celui qu'on croyait que, non, comme celui-ci là, au moins, il va changer tout, il va, du rien ne sera plus comme avant, machin, truc. Il fait bien, mais sauf que des petites erreurs là comme ça, et c'est ça qui risque de le condamner. Franchement, il faut qu'on arrête ça, mon frère. Mon collègue, je vois qu'après le match, on risque de perdre notre travail. Ouais, pas moi, si le lion ne gagne pas, on va faire comment? Non, mais, oui. Mais boss,
tel qu'on a vu là, peut-être ils peuvent gagner la théorie du danger, ils peuvent gagner le match, le Brésil, hein. Et le boss est parti. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.